Peux oublier Will. Ouais, ça a marché. Attrapez-le ! Arrête-le ! Restez là.
Peux oublier Will. Vulnérable maintenant. Préfère ça. Embarquez-le. Arrête-le. Thank you.
peux oublier Will. Vulnérable maintenant. Restez là.
parle. Tu peux oublier Will. As-tu la mort? Il n'est plus protégé. Traverse ça. Abattez-le. Arrête-le. C'est le moment de bouger.
Et de qui tu parles? Protégé. Peu importe. Plus tard. On a une mission. Je vais devoir relier la contre-mesure au noyau. Elle est conçue pour hypersaturer le champ de Meyer-Turis de particules chronon. La machine a voyagé dans le temps, agit comme un amplificateur. Ça va provoquer une réaction en chaîne et régénérer le champ. Ça sera un événement universel. Je te fais confiance. Contente-toi de tout mettre en place. Jack, viens me donner un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire? La contre-mesure n'est pas assez chargée. Il va nous falloir un afflux de particules chronon. Un déclencheur. C'est toi. Contre-mesure. Elle a réparé le temps dans le monde entier. Ce qui avait été détruit l'était toujours. Les morts ne reviendraient pas, mais c'était fini. Jack. Will. Le temps avait repris son cours. Allez. Allez. Je crois qu'on vient de sauver l'univers. Ouais. Ouais, Paul. Il est mort. Évaporé, enfin, peu importe. Will. Il se trompait sur toute la ligne. Tu crois? Will. La contre-mesure a fonctionné. Waouh. La contre-mesure est grillée. Ok. Ah.
champ de Meyer Joyce devrait être stable maintenant. Bien sûr, je vais devoir faire des tests pour confirmer. Mais il n'y a aucune raison de penser que la fracture n'a pas disparu. Une dernière question. Toute la philosophie de Paul Seren reposait sur le fait que le temps est immuable, qu'on ne peut rien changer. Au moment des événements, vous n'étiez pas d'accord. Mais après tout ce que vous avez vu et vécu, nous devons savoir. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Avait-il raison ? Où peut-on changer le cours des choses? Je reviendrai te chercher. I can't get enough.
can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson? Going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. Upon a crossroad, the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. This canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car. Flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new. Spiritual groove, everybody bleeding to the Higgs boson blues. And if I die tonight, bury me in my favorite yellow patent leather shoes. I'm with a mummified cat. Does the African
piano as the simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his small. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. Vous avez été très patient avec nous et très coopératif. Merci. Ouais, mais ma patience commence à atteindre ses limites. Je comprends. Je vous en prie. Monsieur Joyce. Finalement, vous vouliez me parler. Pas que je vous raconte ma vie. Vous étiez au centre de ces événements. Vous pouvez comprendre notre envie de tirer tout cela au clair. Et vous faites porter le chapeau à Paul ? Belle prouesse. Paul Seren n'a jamais écouté que lui-même, vous le savez. Lui et ses délires de grandeur ont failli détruire Monarch. Mais cette entreprise peut encore être sauvée. Et vous pourriez nous y aider. Ce n'est plus le Monarch que vous connaissiez, Monsieur Joyce. Nous sommes conscients de vos capacités exceptionnelles. Et nous savons tous deux que nos experts pourraient répondre à vos besoins. Nous pourrions nous entraider.